detecta coronavirus zany de tiafaka nany pandraha raha andeha vidy azy zany nazare tiafaka misy fiantraikany satria zahay tsy mandeha anaty ala tsy mahefa miasa tsisy sakafo mahavidy sakafo baka tena fanampijana zahay fiainana amizy izy te bako tena natatitra taminazy raha fa moromoro akefo fa izy ake iolo bofo mandeha anaty ala pôdipôdy ny fiainana andavanandro zay tegna ny hobahoba be malôha ny vahoaka ary tegna nanahirigna be le faharegnesagna izy fô le fiantraikany taty re mbola tsisy takany coronavirus tamin'tanàgna. L'équipe de Symrise Madagascar a dû elle aussi faire face à la crise du coronavirus. Depuis mi-mars, la région Sava, qui est le principal lieu d'approvisionnement en matières premières pour Symrise en termes de vanille et d'autres produits, s'est retrouvée fermée. Notre priorité a été bien sûr de sécuriser notre équipe et de respecter la mise en place du confinement par l'État malgache. Et donc on a dû annuler tous les grands rassemblements, les grosses formations où d'habitude on pouvait rassembler une vingtaine ou une trentaine de producteurs par formation. Cependant, on a pu continuer notre travail en s'appuyant sur notre réseau d'associations paysannes, de volontaires communautaires, de leaders associatifs, de contrôleurs internes qui sont tous présents dans les villages, sont membres des communautés. Et grâce à eux, on a pu continuer nos activités, notamment la préparation de la campagne de vanille, la préparation de la campagne de gingembre aussi, garantir tout le processus de certification avant la campagne, en continuant les inspections, le suivi des mesures correctives. C'est ce qui nous a permis d'assurer une campagne de gingembre et ensuite une campagne de vanille de qualité en garantissant nos volumes, en garantissant les revenus pour les paysans et bien sûr la qualité du produit pour nos clients.